25 ans, c'est la catégorie qui n'a pas de parrain, donc on est sur des gens majeurs et qui ont un physique quand même déjà assez impressionnant. Donc nous, on est on a un devoir de réaliser des épreuves à la hauteur de cette catégorie. Aléatoires que vous voyez faire les enfants, tout ça font déjà partie d'une activité motrice organisée, témoignant d'un début d'apprentissage autonome. Le tonus, c'est sa façon de communiquer. Donc, n'hésitez pas à le prendre dans vos bras, rassurer bébé. Et le toucher, c'est mode de relation, c'est fondamental. Parce que ça a complété le programme VIF de la ville de Roncq, ainsi que le programme We Love Eating, pour lesquels on s'était associés. C'est vraiment très très divers dans les populations, dans les âges, puisqu'on a aussi des enfants, des associations qui travaillent avec des gens en difficulté, des associations qui travaillent avec des personnes handicapées. On a vraiment une très grande diversité. On a commencé à produire des fleurs et puis d'année en année, de plus en plus, on a produit parce qu'on s'est rendu compte que on adorait ce métier. Mmh. Et mon frère qui est maintenant à l'exploitation, lui, en adore encore plus. Aujourd'hui, on a 70 vaches laitières. On cultive 42 hectares sur Roncq et principalement du maïs en silage pour les vaches et de l'herbe. Donc, aujourd'hui, on transforme tout le lait en fromage, donc on transforme à peu près 2500 à 3000 litres par jour. On a trois caves d'affinage, une pour les mimolettes et pour les tomes.